En toute fin de vidéo, je vous mets un détail précis de tous les éléments, ainsi que 4 vidéos importantes pour la réalisation de votre plot en béton armé. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ma structure. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'ensemble des plots est terminé. J'ai pas pris le soin de décaisser la zone de travail, j'ai simplement retiré un peu de terre entre les plots où la terre était un petit peu trop haute. J'espère que cela ne me sera pas préjudiciable par la suite, par exemple avec la poussée des herbes. Donc j'ai commencé par dérouler un film géotextile. Donc là j'ai utilisé du Onduline Sotex 100. Donc ce produit a pour but d'empêcher la pousse des mauvaises herbes. Je vous déconseille d'acheter des produits d'entrée de gamme. J'en avais acheté et utilisé autour de ma maison et il laisse passer les mauvaises herbes au bout d'un certain temps. Donc ensuite j'ai mis du sable au-dessus de mon géotextile. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas totalement recouvert mon film géotextile de sable n'ayant pas décaissé préalablement mon terrain. Donc j'espère que cela ne sera pas préjudiciable par la suite avec la poussée des mauvaises herbes. Si cela venait à arriver, je vous mettrai des commentaires. Donc ensuite j'ai fixé mon premier niveau de lambourde sur mes plombs béton armé en prenant le soin de les séparer par des cales plastiques. C'est extrêmement important. Le but de ces cales plastiques est d'éviter le contact du bois avec votre plot et l'eau qui pourrait stagner. Au début je voulais fixer tous mes plombs en béton armé à la lambourde, mais le perçage de mes plombs en béton armé ayant été extrêmement difficile au départ, j'ai changé d'avis et j'en ai fixé uniquement 2 par lambourde. Avec une mèche à bois de diamètre 8, je fais un pré-trou dans mes lambourdes pour pouvoir y passer mes chevilles à frapper. Avec un forêt SDS plus de diamètre 8, je fais un tout petit pré-trou dans le plomb en béton armé. Honnêtement, j'ai vraiment galéré à percer ces plombs en béton armé. Outre une bonne perceuse à percussion, il vous faut aussi un forêt de bonne qualité. Là j'utilise un forêt SDS+. Ce forêt m'aura fait l'ensemble des trous. Ensuite j'utilise un fraisoir. Donc là j'installe mes cales plastiques. Je me sers de mon poids sur la lambourde pour vérifier si les cales plastiques sont stables. Là par exemple la cale plastique rouge n'est pas stable. Je mets une cale plastique verte de 2 mm qui n'est pas stable non plus. Je mets une cale plastique jaune qui est de 3 mm et là la stabilité est satisfaisante. Donc je vais laisser une rouge et une jaune. Personnellement, je visse la cheville à frapper.
Normalement, il faut la frapper avec un marteau. Et voilà, j'ai fini la première partie de ma double structure. Concernant les deux lambourdes qui sont l'une à côté de l'autre, j'ai laissé un petit espace de 5 mm entre les deux pour laisser passer l'air. J'ai vissé les deux lambourdes l'une dans l'autre. Concernant la deuxième partie de ma structure, n'étant vraiment pas sûr de moi, j'ai fait une petite pose à blanc pour vérifier que mes deux lambourdes aux extrémités soient bien positionnées. Là par exemple, cette lambourde est à 1,81 m et à l'extrémité de ma pose à blanc, elle est à 1,81 m. Pareil, je vérifie la distance entre les deux lambourdes à deux endroits différents. Là j'ai 3,985 m. Et plus loin, je vérifie, j'ai aussi 3,985 m, pratiquement. Donc là, je vais pouvoir fixer mes lambourdes extrêmes. Donc pour fixer vos lambourdes, on fait déjà un petit pré-trou. On fraise. Et on insère la vis. Donc là, c'est une grosse vis, hein, de 10 cm. Ensuite, je coupe le bout des lambourdes. Donc là j'utilise une scie à main scorpion. Et voilà, j'ai fini la première moitié de ma structure. Donc très important, je rajoute une bande de protection d'étanchéité qui sera entre ma lame de terrasse et ma lambourde supérieure. Cela permettra normalement d'augmenter la durée de vie de vos lames de terrasse. Donc très important, sur mon deuxième niveau de lambourde, j'ai respecté l'anthraxe que réclament mes lames de terrasse. Mes lames de terrasse réclament un anthraxe de 30 cm. Je l'ai donc respecté sur la deuxième partie de ma structure. À l'endroit de coupe des lames, il y a deux lambourdes, afin que sous chaque lame, il y ait une lambourde pleine.